Dans les deux précédents volets, nous avons construit des fonctions VBA Access pour tester qu'une saisie était exclusivement composée de lettres de l'alphabet et qu'une autre, nécessairement codée sur 6 caractères, n'était faite que de chiffres. Dans ce nouveau volet, nous allons voir comment contrôler un mot de passe alphanumérique avec des contraintes supplémentaires. Dans l'exemple illustré à l'écran, le mot de passe tapé dans la troisième zone de texte n'est autorisé que sous certaines conditions. Il doit tout d'abord être codé sur 5 caractères, ni plus ni moins. Mais il doit aussi présenter au moins une lettre en majuscule, comme ici la première, une lettre en minuscule et au moins un chiffre. Et pour preuve, constatez que si nous venions à transgresser ces règles en remplaçant la première lettre en majuscule par son homologue en minuscule, et bien validation, remarquez que le mot de passe n'est plus autorisé. Pour la découverte de cette nouvelle astuce, nous proposons d'agir à partir de la base de données des travaux précédents qui héberge ces trois zones de saisie à contrôler. Comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombash.fr. Après l'avoir ouvert tout de suite dans le volet de navigation, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F-inscription. Nous l'affichons ainsi en mode exécution. Les deux premières zones de texte attendent donc respectivement la saisie d'une information exclusivement textuelle et d'une donnée numérique sur 6 chiffres. La troisième, quant à elle, doit recevoir le mot de passe alphanumérique sur 5 caractères. Mais il n'est pas encore contrôlé, puisque nous devons bâtir la fonction dédiée dans ce nouveau volet. Comme pour les deux volets précédents, nous proposons de bâtir une fonction VBA publique hébergée par un module indépendant. Elle pourra ainsi être utilisée sur n'importe quel formulaire de l'application Access pour opérer ces contrôles. C'est la raison pour laquelle, de nouveau dans le volet navigation, je vous invite cette fois à double-cliquer sur l'élément module 1. Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Access et nous retrouvons les deux fonctions que nous avions bâties pour contrôler respectivement la saisie exclusive de lettres et la saisie seulement de chiffres sur un nombre précis de caractères. Comme la fonction que nous devons bâtir doit suivre le même protocole en instanciant la classe des expressions régulières, nous proposons de dupliquer l'une des deux existantes et ensuite nous l'adapterons. Je vous propose par exemple de prélever tout le code de la fonction et chiffres, de le copier par le raccourci clavier CTRL-C et puis de le coller juste en dessous. Et dès lors, nous allons changer le nom de cette fonction à chaque fois qu'il intervient. Puisqu'il est question ici de tester la saisie alphanumérique, eh bien je vous propose de nommer cette fonction logique etAlphaNum. Et comme vous le savez, le traitement d'une fonction est retourné par le nom de la fonction elle-même, ici en l'occurrence à 3 reprises, donc nous adaptons ces affectations, c'est-à-dire ces valeurs retournées par la fonction. Maintenant, nous devons construire la séquence de l'expression régulière capable de vérifier que la saisie de l'utilisateur est bien alphanumérique, soit composé de lettres et de chiffres. C'est donc la valeur de la propriété pattern de l'objet expReg que nous devons adapter. La séquence classique d'une expression régulière pour autoriser une saisie alphanumérique est de la forme, alors nous allons remonter un petit peu si vous voulez, A-Z sans espace, grand A-Z et ensuite 0-9. Et de cette manière, effectivement, elle indique que toute lettre de l'alphabet est autorisée en majuscule comme en minuscule, mais elle indique aussi que tout chiffre de 0 à 9 est autorisé, et tout cela nécessairement sur 5 caractères, si nous le précisons avec le chiffre 5 entre accolades à l'issue de la syntaxe. Cependant, autoriser ne veut pas dire imposer. En conséquence, les suites de lettres comme par exemple ABCDE sur 5 caractères ou de chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5 passeraient. Or, nous souhaitons imposer la saisie d'au moins une lettre en minuscule, d'au moins une lettre en majuscule et d'au moins un chiffre, le tout sur 5 caractères. Donc, nous avons besoin ici d'une expression régulière quelque peu plus compliquée, complexe, que nous allons voir ensemble. Je vous propose ici, eh bien, tout simplement, d'enlever ce qu'il y a entre les parenthèses. Nous allons tout de suite adapter le nombre de répétitions entre accolades de la séquence que nous allons construire sur 5 caractères. Donc, je vous rappelle que l'accent circonflexe indique que notre saisie doit nécessairement commencer comme cela, une lettre en majuscule, une lettre en minuscule, ou bien un chiffre, c'est ce que nous allons indiquer, et qu'elle doit nécessairement se terminer comme cela après les 5 caractères. Il est question, je vous propose d'inscrire cette syntaxe en même temps que moi avec un point d'interrogation, le symbole égal,
un point et l'astérisque est de nouveau le point d'interrogation. Cette séquence, qui est tout à fait particulière, indique que nous attendons un ou plusieurs caractères selon la séquence remarquable que nous allons maintenant lui indiquer. Je vais me permettre de prélever cette succession de symboles qui n'est pas très confortable à saisir pour pouvoir les répéter, car nous allons en avoir besoin pour les majuscules, les minuscules et les chiffres. Et là donc, un ou plusieurs caractères de cette forme-là, grand A tiré grand Z, soit une lettre de l'alphabet nécessairement en majuscule. De la même façon, et donc, nous sortons des parenthèses et nous ouvrons de nouveau une parenthèse, un ou plusieurs caractères, forcément au moins un, de la forme suivante. Donc, bien sûr, entre crochets, la forme suivante, petit a tiré petit z, c'est-à-dire une ou plusieurs lettres de l'alphabet en minuscules. Nous avons déjà imposé au moins une lettre en majuscule et au moins une lettre en minuscule. Et bien maintenant, nous devons imposer au moins un chiffre, un ou plusieurs grâce à cette syntaxe. Et entre crochets, eh bien, vous l'avez compris, 0-9, c'est-à-dire un ou plusieurs chiffres de 0 à 9. Et voyez-vous, ici, nous allons ajouter un point pour que cette séquence globale soit bien interprétée, soit bien répétée à 5 reprises dans le contrôle de notre expression régulière sur la zone mot de passe que nous allons maintenant exploiter. Je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications et avant de trop anticiper, il est quand même nécessaire, voyez-vous, d'adapter ici le message de refus puisque en l'occurrence il ne s'agit plus d'un identifiant. Donc nous pourrions par exemple indiquer à l'utilisateur que nous devons coder ce mot de passe sur 5 caractères, qu'il faut au moins un chiffre, comme ceci, une majuscule et une minuscule. Je vais au plus court, puisque bon, l'essentiel ici est de pouvoir donner une indication suffisamment claire pour l'utilisateur lorsque l'inscription de son mot de passe échoue. Désormais donc, eh bien, nous devons enclencher la fonction etAlphaNum dans la propriété source-contrôle d'une zone de texte du formulaire pour vérifier en temps réel la saisie du mot de passe alphanumérique. C'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas enregistré les modifications, faites-le. Nous revenons sur le formulaire en exécution, nous cliquons sur la flèche du bouton affichage dans le ruban accueil, nous choisissons notre création. Sur le formulaire, je vous propose de cliquer sur cette petite zone de texte qui est placée à droite du mot de passe, dont le nom d'objet est mot-passe. C'est important puisque c'est sur lui que nous allons faire devoir pointer la fonction. Ensuite, nous activons l'onglet données de sa feuille de propriété pour pouvoir activer sa propriété source contrôle. Et là, il est plus confortable de cliquer sur le petit bouton à trois points de manière à afficher le générateur d'expression qui nous invite à inscrire notre formule, notre syntaxe qui fait appel à notre fonction etAlphaNum. Vous voyez, c'est une fonction publique, donc elle est instantanément reconnue. Elle attend en paramètre eh bien, la saisie à vérifier. Il s'agit de celle du mot de passe. Nous le spécifions donc par son nom entre crochets, car il s'agit d'un contrôle. Il est proposé par IntelliSense, donc nous pouvons double-cliquer et nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction etAlphaNum. Dès lors, eh bien, je vous propose de cliquer sur le bouton OK du générateur pour valider l'expression. De retour sur le formulaire, il est de bon ton de l'enregistrer à son tour, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier. Et désormais, si vous tapez un mot de passe qui est constitué effectivement de 5 caractères mais sans majuscule, à validation constatée qu'il est naturellement refusé. Si vous ajoutez une majuscule, on va remplacer ici le G minuscule par un G majuscule et que vous validez, constatez que la saisie est désormais acceptée. Si vous ajoutez un caractère, ça veut dire que vous dépassez le quota et que vous validez, vous constatez que eh bien, notre saisie, notre mot de passe n'est plus accepté. Et bien sûr, malgré la présence de majuscules et de minuscules sur 5 caractères, s'il manque un chiffre, vous voyez que, de nouveau, la sentence est la même. Donc, nous avons parfaitement réussi à construire une séquence d'expressions régulières dans une fonction VBA Access pour contrôler la saisie d'un mot de passe alphanumérique codé sur un nombre précis de caractères en imposant une majuscule au moins, une minuscule au moins, et un chiffre au moins. Donc j'espère que cette nouvelle astuce vous a plu.
Si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombash.fr. Je vous remercie.